Le plateau est chaque année très très fort, mais il est encore plus fort, encore plus remarquable cette année. Et ça, c'est dû d'une part à une course qui a des racines, ce sera la 67e édition, à une course qui est un vrai concentré de montagne. C'est le slogan de l'épreuve, mais c'est vraiment ça. À la fois des ascensions connues, des cols connus et d'autres moins. Je pense notamment à la montée vers Samoin 1600, qui est absolument redoutable. Et donc c'est le rendez-vous qui vient passer évidemment juste avant le tour, à la fois pour gagner, parce que le Dauphiné est parrainé sur les plus grandes courses par étape en dehors du Tour de France, en dehors des grands tours, et ensuite parce que c'est évidemment placé de manière idéale pour quelques semaines du Tour de France. Le Dauphiné ne dit pas tout du tour, mais il en dit quand même pas mal. On est la région du vélo, mes amis. Et c'est notre chance. Avec les paysages inouïs qu'on a, avec la diversité du terrain de jeu qui est nôtre, et le critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'expression de la richesse de notre région, qui est pour moi la patrie du vélo. Et je vois Laurent comme un symbole exceptionnel qu'aujourd'hui, 1er février, 80 ans après, sur ordre du général de Gaulle, la naissance des forces françaises de l'intérieur, on finisse le critérium du Dauphiné plateau des Guillemets. Au départ de ce critérium, 17 grands tours gagnés. 17 grands tours gagnés avec l'équipe qui sera au départ. Le critérium, c'est tout le Tour de France. C'est le niveau de compétition sportive qui est celui du Tour de France. C'est les plus grandes équipes, c'est les plus grands coureurs. Mais en plus, il y a la convivialité et la proximité. D'accord.